Bon les gars, suite du vlog, tranquillement, là je me trouve actuellement à la playa, à la plage. C'est magnifique. Honnêtement, je kiffe. J'ai été rejoindre les autres comme je te dis, tu vois. Actuellement à la plage, à la playa de Carmen, à la playa. On est à la plage tranquillement les gars. Et franchement, il fait extrêmement chaud. Je me suis mis en polo mais je regrette, j'aurais dû mettre un t-shirt. Parce que polo encore ça tient chaud. Du coup là je vais aller chercher 2-3 petits trucs, 2-3 petites courses. Et puis on voit ce qu'on fait après. Peut-être que j'irai faire du jet ski. Je vais voir. En tout cas si j'en fais, je vous filme ça. Sympathique les petits calamars. À la Romenas. Et du coup t'as pris quoi? T'as pris des calamars à la Romenas ici? Ça me copie quoi. Ça me copie. Ouais. Une note sur 10 après avoir mangé. Franchement les gars, le restaurant je valide totalement. Je mets un bon 7 parce que c'est comme des calamars faits maison et tout. Après en termes de tu vois comment on appelle ça déjà, d'accueil. Okay. En termes d'accueil, je mets un bon 10, très sympathique les Espagnols, voilà. Muchas gracias comme on dit chez moi. Un pasito, maya sinito. Hop out the car, leave the motor running. Why you always talking like you know something? Why you always talking, going show him something? No stunt double, I do my own stunt. Yo tout le monde, je suis KO. Là je vous le dis, je suis mort, éteint. Hier c'était plutôt sympathique, mais je sais pas trop vloguer parce que on était en famille et tout. Enfin, c'est le pré-mariage, donc on avait une petite soirée et tout avec tous les invités. Mais là du coup je vais aller on va aller déjeuner avec la madre, avec la daronne tranquillement. Et puis voilà, je vais vous vloguer ça sans vous montrer la daronne. Allez, la facecam de la mère de Lille tout de suite maintenant. Pour vous dire, actuellement posé direction de Mariajeco, El Mariajo, El Mariachi, El Mariachito, El Mariachito, El Mariajo. Il fait chaud. Donc là, je suis parti sur quoi? Je suis parti sur un veggie. Un veggie, qu'est-ce que c'est un veggie? Tu peux nous dire c'est quoi un veggie? Elle sait pas ce que c'est. C'est la première fois que je teste un veggie. C'est quelque chose sans viande. Voilà, on est à. Sans protéines. On est à BK. Sans protéines, je dis de la merde. BK veggie. Ça. Non? Tu sens pas un truc? Non, bah, elle sent rien du tout en fait. Ok. Tu peux faire ta facecam, hein, la cousine. Facecam de la cousine? Non? Non, maintenant, après. Après. Demain. En plus, demain, les gars, c'est. Soirée quoi? Non, soirée Teletubbies, je crois. Non, c'est journée d'une et on verra bien ce que ça donne. Mais en tout cas, moi je vais tester le baggy là. Bon, les gars, je viens de me réveiller. J'ai la tête dans les fesses. Voilà. Donc, moi, comme d'habitude, hein, vous doutez bien, je vais me prendre une magnifique trottinette. Je sais pas, j'ai claqué combien d'argent en trottinette, mais 2 euros plus 2 euros plus 3 euros plus 2 euros à chaque fois. Ça va vite, hein. Ça va vite. Comme dirait la salle, 1 euro c'est 1 euro. Voilà, petite location de PCX pour ceux qui connaissent. Pas mal. On va aller faire les dunes comme je vous ai dit. It's me, Mario. Bon les gars, c'est parti. On est arrivé. Voilà la bête. PCX, tu connais. Viens montrer un petit peu ici. La caméraman. PCX. On est parti pour faire un petit tour. On va aller dans les dunes. Les dunes, c'est quoi les dunes? C'est des dunes, bah, comme le dune buggy dans GTA 5, tu vois, bam bam bam, on va duner. On va aller chez Trevor quoi, en gros, techniquement on va aller chez Trevor. Donc c'est parti, t'es chaud pour aller chez Trevor? Non. Non, elle est pas sereine. Bon, premier spot plutôt sympathique. Regardez-moi ça, c'est pas beau. Là on est clairement in the nature. La nature, je peux vous dire que monter des dunes, faut avoir le cardio. Hein. Honnêtement, c'est catastrophique, je suis mort. Là, on va s'arrêter là vite fait un peu et ensuite on repart un peu plus loin dans les dunes parce que les dunes c'est énorme en fait, genre c'est géant. Et voilà, après, je sais pas combien de mètres de marche, pardon. Après, je ne sais combien de mètres de marche, nous voilà arrivés. La vérité, la vérité. Regardez-moi ça, incroyable, trop beau. Las dunas, comme on dit en espagnol, les lunes. Et la dernière fois, on
petit dans l'île. Et je sais pas si on la voit ici parce qu'il y a un peu de brouillard quand même. Et genre un peu plus loin, t'as une magnifique île. C'est pas mal les gars. Ça va, les vagues sont assez gros, j'aime bien. On va pouvoir bien swinguer. Après je sais pas si l'eau elle est froide, mais ça a l'air pas mal. Look, what in no way I made a way. Call my lane, I paid the way. Chew it up nice, I made the play. What a good day to get paid today. What in no way I made a way. Call my lane, I paved the way. Chew it up nice, I made the play. Ball on the fuck, nigga, fade away. Ay, ay. Ball on the fuck, nigga, fade away. Ay. Ball on the fuck, nigga, fade away. Ay. Ball on the fuck, nigga, fade away. Ay. Ball on the fuck, nigga. Nigga on my mama. I'ma need all them commas. Tell them I'll start that drama. Long term smoke like an all day sauna. Regardez-moi ça, les gars. Magnifique. Incroyable. Crevettes. Tacos crevettes. Là, c'est des calamars. Et là, c'est quoi ici? C'est quoi ça? C'est de. Je sais même pas ce que c'est. C'est de la pieuvre ou je sais pas quoi. Mais c'est pas mal. Incroyable, un délice. Il veut rentrer. Non mais les gars, je peux pas le laisser rentrer. Bah j'ai recueilli un chaton. Un chat, chaton, c'est un petit chaton, ça a été 8 mois ça. D'accord, allez, je vais donner à manger. Les gars, dernier jour, plutôt sympathique. Journée promenade, shopping. Ça va parce que j'ai l'avion à 17h55. Là, il est à peu près midi, donc j'attends encore de se balader. Je me suis acheté quelques petits parfums, quelques petits parfums. Et franchement, ici, un truc de fou, c'est les parfums, les gars. C'est pas cher du tout. Genre, en gros, t'en as pour moitié prix. Genre, moi, le mien, il coûte 130 en France. Bah, là, les gars, du coup, je l'ai eu à 70. Genre, en vrai, c'est vraiment bénéf, quoi. Bénéfice max. Et voilà, j'en ai pris un pour moi, un pour un pote. Et puis voilà, quoi. Et tranquillement, donc là, on va aller rentrer. Enfin, on va aller reporter tout après, du coup. Mais en tout cas, j'ai pas envie de partir quand je vois ça, les gars. Là, j'ai pas envie de retourner à Nancy. Les gars, c'est parti. Retour à la Casa de Papel. Tranquillement, on va rentrer. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il y a pas mal de monde qui est un chômage qui est à l'aéroport. Donc, du coup, c'est tranquille. Parce que c'est vrai qu'attendre à l'aéroport, c'est quand même assez chiant. Je vais pas vous mentir. Et là, pour le coup, eh bien, on va attendre avec des gens. Ça, c'est pas mal. Je vais aller grailler un peu parce que j'ai très faim actuellement. Très, très faim. Et je vois qu'il y a un BK devant moi, parce que là j'ai un dérivé en fait trop. Je vois qu'il y a un BK, donc ce que je vais faire, c'est aller chercher un bon BK et je vais le déglinguer. Voilà, je vous dis, je vais le jouer. Show me what you made of. You know what I came for. I see the real you. You should let her at that cage more. I've been playing it cool, but can't lie to you, you know what I'm waiting on. Waiting on. I don't wanna wait no more, no more, yeah, more. Who had you down for the count when you needed it? Breathe it, just got too hard on your mental. I've been around it some time to care them bills. When you had them passes, remember you knew me before the back. You seen the vision, you know me for showing you thanks. Knew how to rip it apart, you let me inside. I pick up the pieces and play.